à la course au titre en Premier League. À une journée de la fin du championnat, Manchester City a-t-il fait le plus dur en battant mardi dernier à Tottenham? C'est l'intitulé du premier thème du débat de ce soir qui se charge de lancer pour nous Valentin Carpentier. Et pour vous aider à répondre à cette question, messieurs, regardez le duel à distance qui sera scruté ce week-end sur nos antennes à l'occasion de la 38e et ultime journée. Arsenal-Everton et Manchester City à West Ham dimanche à 15h GMT sur Canal Plus Sport 2 et Canal Plus Sport 4. Avec deux points d'avance, Samuel Obey, les Sky Blues ont leur destin en main. Mais pour conserver leur titre, la meilleure option, c'est de s'imposer au cours de ce dernier match. Est-ce qu'ils ont fait finalement le plus dur en se retrouvant dans cette configuration à une journée de la fin? Ouais, je dirais qu'ils ont fait le plus dur, ça fait 8 matchs. Hein. Je crois qu'ils sont en combien? 8 victoires consécutives. Xavier, qui a plus de statistiques que moi. Voilà, c'est-à-dire qu'on les connaît dans l'emballage final, ils sont terrifiants. Ouais. C'est-à-dire ils ont des périodes peut-être un petit peu de moins bien dans le cours de la saison, comme ça arrive à toutes les équipes. Mais dans l'esprit de finale, ils sont injouables. Il vous faut une marge. Si vous voulez aller au titre, il vous faut une vraie marge face à cette équipe-là. Parce que si dans l'emballage final, vous faites une erreur, eux n'en font pas. Et c'était presque écrit. Mais malgré tout, il faut rendre hommage à cette équipe d'Arsenal qui a maintenu le suspense jusqu'au bout. Vous avez déjà enterré. Je les vois mal faire cette erreur face à West Ham qui n'a plus rien à jouer, plus rien à craindre non plus dans le championnat, qui va changer d'entraîneur. Mais il ne faut jamais insulter le football. Je resterai prudent. Mais pour vous donner un peu raison, hein, City se retrouve face au 9e de Premier League, qui n'a plus rien à jouer, déjà distancé dans la course à la Ligue Europa Conference. Comment vous entrevoyez ce match, Xavier? Est-ce que la 9e position de West Ham représente un danger pour City? C'est vrai que West Ham a le jeu type pour embêter Manchester City parce qu'ils savent subir derrière et jouer très vite en contre-attaque avec notamment Jared Bowen ou Michael Antonio. Mais bon, ils savent faire Manchester City face à ces équipes puisque c'est ce qu'ils rencontrent presque tous les week-ends. Et d'ailleurs, si on regarde leur parcours, Samuel Lobé disait 8 victoires d'affilée effectivement en championnat. La dernière équipe qui n'a pas perdu contre eux, c'était Arsenal le 31 mars. Et la semaine d'avant, la journée d'avant, parce qu'il y avait eu la trêve internationale entre-temps, c'était Liverpool un partout. Donc ce qui pouvait nous faire dire c'est Manchester City va peut-être pas y arriver cette année, c'est contre les gros, ils gagnaient plus. Ils ont fait des nuls. Mais par contre, contre les petits, ils ont enchaîné. Et ils ont pas perdu depuis le match contre Aston Villa, qui joue pour la Ligue des Champions cette saison. Donc, contre West Ham, je ne vois pas comment ils pourraient laisser passer l'occasion. Allez, on continue le premier à tour de table sur cette question. Avec vous, Fossinou, est-ce que Tottenham, c'était finalement le dernier obstacle pour City? Non, je dirais non, parce que je pense que les fantômes du passé peuvent rejaillir à tout moment. Il reste une journée, certes, mais j'ai encore le souvenir de cette dernière journée où tout le monde donnait pas cher de la peau de Reading. Et on a vu cette équipe de City avoir de grandes difficultés face à une équipe qui jouait le maintien, marqué à la dernière seconde des arrêts de jeu, ce but d'Aguero qui a libéré C'était QPR, voilà. Je pensais que c'était Reading, autant pour moi. Ils avaient tremblé, en fait. Effectivement, ils avaient tremblé. Donc, il ne faut jamais enterrer une équipe de première ligue. Ça fait 12 ans, ça. Non, mais ça fait 12 ans, il n'y a pas de problème. Mais c'est un match de football. Et pour moi, dans un match de football... Xavier, qui évoque toujours le passé, vous dire que ça fait 12 ans, il ne faut plus en parler. On parle parfois de matchs d'il y a 40 ans, mais là, il nous dit qu'il y a 12 ans, c'était loin. Non, mais c'est vrai, il reste un match. L'équipe n'a rien à jouer en face, West Ham. Mais je pense qu'ils vont se faire un malin plaisir de les embêter. Oui. S'ils peuvent les empêcher d'être champions, mais ne serait-ce que parce que c'est un match de football qu'ils ont envie de remporter, pas pour embêter City. C'est un match de foot, on joue contre une bonne équipe. Il y a un enjeu et on a envie de gagner. City au-dessus, il n'y a pas de souci, mais tant qu'il n'est pas joué ce match, je pense que ce n'est pas fini. On écoute justement à Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, qui veut que ses joueurs restent concentrés jusqu'au bout. Ils ne sont pas célébrés absolument rien. Ils étaient heureux, bien sûr, relief, parce que nous voulions arriver au dernier match, mais nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup. Et les gens vont nous supporter, bien sûr. Mais maintenant, c'est Kudus, Antonio, Bowen, Ward-Prowse avec des set pieces, Sosek. Et, vous savez, And there are tricks in football game. Everything can happen. Everything can happen. Nothing for granted. And what I said before, to win Wimbledon, the tennis player said the serve to win Wimbledon is the most difficult one. The most difficult one. Pendant qu'on suivait à Pep Guardiola, c'est vrai que vous êtes exclamé. Ah, c'est vrai que dans cette équipe de West Ham, il y a Kudus.
Oui, il y a Kudus qui est une des belles, bon pas révélations, mais enfin qui est un des très très bons joueurs maintenant de Première Ligue du côté des Hammers, qui est, c'est vrai, en transition, un joueur assez exceptionnel, un pied gauche incroyable, on l'avait Est-ce vu ça avec... va être suffisant? Est-ce que ça va être suffisant? Non, je pense non, parce que je pense de toutes les manières. Bon, les Hammers, ils peuvent mettre un coup du marteau, si vous voulez. Ils peuvent marquer des buts. Cette équipe de City, elle encaisse. Elle est parfois en difficulté. Elle concède des occasions, mais elle met toujours un but de plus que son adversaire, voire plus de buts encore. Le seul adversaire de Manchester City, c'est Manchester City. Pour moi, c'est plié. C'est-à-dire que le match face à Tottenham, le face-à-face de Son face à Ortega, c'est là en fait le titre. Il joue à ce moment-là. Pour que City le gagne, mais pour que Arsenal le perde, ils l'ont perdu avant, notamment face à Aston Villa quand ils avaient la main. Et en gagnant, c'est eux qui auraient été à la corde en tête et ils auraient continué à la cloche et ils auraient certainement conclu. Déjà, je rappelle aussi que vous dites, on parle du match entre les Hammers et les Citizens. Bon, enfin, Arsenal, il faut qu'ils battent Everton aussi en même temps. Hein. C'est pas fait non plus. Hein. C'est vrai. Parce que je veux bien qu'on insulte pas le football d'un côté, il faut pas l'insulter de l'autre côté non plus. Mais ça veut pas dire qu'Arsenal aussi. Mais on sait que la meilleure option, pour City, et après, c'est effectivement de gagner. Voilà, n'est pas, voilà, voilà. C'est sûr. Arsenal va jouer sa dernière journée contre Everton. Est-ce que tu vois Arsenal remplacer la vapeur? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Arsenal. On va également parler de la course au titre. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Alors, Arsenal peut s'en vouloir, les amis. Arsenal peut s'en vouloir, puisque Arsenal avait clairement son destin entre nous. Malheureusement, Arsenal perd le titre le 14 avril 2024. Le match qui perd contre Aston Villa, 2-0. Arsenal paye le titre le 14 avril. Ce Arsenal Aston Villa, victoire d'Aston Villa à l'Emirate, 2-0. C'est ce jour-là qu'Arsenal, pour moi, paye le titre. Face à Aston Villa, Arsenal a pris 0 points. Arsenal a pris 0 points. Au match aller, Aston Villa a battu Arsenal 1-0. Au retour, ils ont battu Arsenal 2-0. Arsenal prend 0 points contre Aston Villa. Pourtant, ils prennent 4 points contre Manchester City. Ils en prennent 4 points contre Manchester City pour ensuite s'écrouler contre Aston Villa. Aston Villa, les amis, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Donc, pour moi, Arsenal perd le titre dans ce match-là. Tu ne peux pas prétendre jouer la course au titre et perdre 6 points contre le même club. 6 points perdus, c'est énorme, les amis. Pourtant, lorsque moi je regarde Arsenal jouer, Arsenal pour moi, ça produit le meilleur football de Premier League. C'est efficace, ça joue très bien au ballon, très bien au ballon les amis. Et ce qui m'offusque un peu, c'est ne pas voir le beau jeu être récompensé, puisque Arsenal joue incroyablement bien. Arsenal joue bien. Et en plus, Mikel Arteta, il a étouffé son effectif. Il a pris les Declan Rice. Il a pris les Jorginho. Il a pris plein de joueurs pour étouffer son effectif. Malgré ça, ça ne passe pas toujours. Après, ce n'est pas encore officiel. Il y a encore un dernier match contre Everton. City a également un match contre West Ham. Mais ça me paraît très compliqué. Ça me paraît vraiment très compliqué, les amis. Arsenal a fait un très bon mercato. Ils ont fait un très bon mercato. Lorsque tu peux apprendre, lorsque tu prends Declan Rice, tu prends les Jorginho, c'est des joueurs vraiment de grande qualité. C'est des joueurs de grande qualité, les amis. Tous les postes étaient quasiment doublés. Tu avais les Trossard, les Martinelli, les Gabriel Jesus. Tu avais vraiment un effectif pléthorique pour jouer le titre. Malheureusement, tu tombes sur un grand match de City. Je pense même que City cette année n'était pas un top City. City n'a pas battu une équipe du Big Four en dehors de Aston Villa. Là où Arsenal a perdu le point contre Aston Villa, c'est là où City a pris le point. City n'a pas battu une équipe du Big Four hormis Aston Villa. Donc, ça montre à quel point
Manchester City n'était pas une équipe flamboyante cette saison. Pour moi, c'est une équipe qui était prenable. C'est une équipe qui était prenable. City va finir au championnat peut-être avec 91 points. Puisque à l'heure que j'enregistre la vidéo, City a 88 points. S'il gagne le match contre West Ham, il va monter à 91 points. Et à 91 points, ce n'est pas vraiment un grand City. Les grands City finissent souvent à 94 points, 95 points, voire 100 points. Lorsque tu tombes sur un grand Manchester City, ils finissent avec 95 points, avec 98 points, avec 100 points. C'était pas un top City. Pour moi, ce City était prenable. Ce City était prenable. Donc, c'est dommage puisque Arsenal a fait vraiment une saison exceptionnelle. Lorsque tu as 86 points, c'est vraiment énormissime. S'il n'y avait pas Manchester City, Arsenal devait être champion. Arsenal devait être champion s'il n'y avait pas City. C'est juste que ils sont tombés sur un City qui est vraiment stratosphérique. Depuis que Pep Guardiola est arrivé en Angleterre, il met les gens mal à l'aise. Il met les gens mal à l'aise, les amis. Puisque son City remporte les premières ligues quasiment chaque saison. Quasiment chaque saison. Même avec 90 points, tu n'es pas sûr d'être champion en première ligue avec le City de Pep Guardiola. Avec ce City-là, tu n'es pas sûr d'être champion à 90 points. Et c'est vraiment dommage. Donc, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Moi, c'est triste pour Arsenal puisque Arsenal produit le meilleur football des Premier League. Malheureusement, ils ne seront peut-être pas champions. Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.